Je souffre d'asthme sévère et c'est un problème constant pour moi. Un matin, ma respiration est devenue très difficile. Ma mère m'a conduit à l'hôpital. Je suis devenue très faible et je ne pouvais plus marcher correctement. Ma mère m'a portée dans l'hôpital. Le docteur m'a injecté quelque chose, je ne sais pas exactement ce que c'était. Mon corps s'est détendu et ma respiration est redevenue normale. Je me sentais très fatiguée et l'infirmière voulait que je reste éveillée, mais je me suis endormie. Plus tard, je me suis rendu compte que j'avais cessé de respirer. Je n'étais pas sûre que mon cœur se soit arrêté. J'avais l'impression d'être entrée dans un état de rêve qui s'est transformé en un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'avais l'étrange impression de regarder quelqu'un dans un lit d'hôpital dont je ne voyais pas le visage. Le docteur travaillait autour du lit. Je me sentais calme, sans la douleur que j'avais ressentie auparavant. Je me sentais un peu perdue et je voulais rentrer chez moi. L'instant d'après, j'étais dans le gymnase de l'école. Mes camarades de classe jouaient au football. J'ai essayé d'attirer leur attention et je leur ai crié dessus. Mais ils n'ont pas semblé me remarquer. Cela m'a fait peur. J'ai erré, ne sachant pas comment sortir. À un moment donné, j'ai rencontré les autres et nous étions tous dans cet espace sombre. Je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi nous sommes ici. J'ai remarqué une lumière à une certaine distance de moi. Je ne me souviens pas si je suis passée par le tunnel et si je suis arrivée à la lumière. J'ai ressenti un amour puissant. Je me suis sentie chez moi et ici, j'étais très détendue. L'émotion était si forte que je ne savais pas comment l'exprimer. Je voulais retourner dans l'obscurité et amener les autres ici aussi. Il n'y a pas de concept de temps ici, le temps n'existe pas. Ici, les choses deviennent claires et toutes les questions trouvent une réponse. Ma conscience peut aller n'importe où à n'importe quel moment. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un. J'avais l'impression qu'elle était un ange et j'avais l'impression qu'elle était plutôt une conseillère. Elle m'a demandé de décider si je devais rester ou retourner sur Terre. On m'a dit que si je décidais de retourner sur Terre, je n'atteindrais peut-être pas mon plein potentiel. Un nouveau départ serait peut-être mieux. On m'a dit que je serais très seule dans cette vie. On m'a montré ce que serait la vie dans le futur. Cela m'aiderait à prendre une décision. Mais je ne suis pas sûre de savoir quel est le bon chemin. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'autres meilleures options? Je vois ces choses à travers l'écran, ma carrière, l'endroit où je vivrai dans le futur, y compris ma famille. On m'a également montré les difficultés que j'avais rencontrées dans ma vie. Mon asthme en faisait partie et j'ai posé d'autres questions à l'ange pour m'aider à faire mon choix. Recommencer à zéro serait une bonne option, mais je suis aussi heureux de ma vie actuelle. J'ai une famille heureuse et des amis qui sont très proches. Je lui ai posé des questions sur ma solitude et je me suis demandé si je rencontrerais un jour quelqu'un que j'aimerais. Puis j'ai vu un homme avec de longs cheveux blonds. Il n'était pas vraiment beau, mais il pouvait donner un sentiment de sécurité. On était dans un avion, on allait quelque part ensemble. Je l'ai regardé, ainsi que d'autres personnes dans l'avion. Je regarde par la fenêtre le soleil et les nuages. Je ne savais pas qui était cet homme. Quand je suis rentrée à l'hôpital, j'avais l'impression qu'il était tard dans la nuit. J'avais un tube dans la gorge et je ne pouvais pas parler. Je savais que j'avais fait le choix de retourner sur Terre et de reprendre ma vie en main. Il a fallu quelques jours avant que je ne quitte l'hôpital. Je suis rentrée chez moi et un rayon de soleil est passé par la fenêtre. J'étais plein d'espoir pour l'avenir et heureux d'être de retour ici. J'étais plein d'enthousiasme pour la vie. Un de mes camarades de classe m'a demandé avec surprise.
Que s'est-il passé après ton départ? Il préférait l'ancienne moi. Je pense que je suis devenu plus sérieux. C'était la première fois que quelqu'un avait suggéré que j'avais changé et la seule fois dont je me souvienne. Au fil des ans, j'ai essayé de parler de cette expérience à ma famille et leurs réactions m'ont appris à me taire. Je suppose que c'est une histoire folle après tout. Je pense que si je ne l'avais pas vécu moi-même, j'aurais du mal à croire une chose pareille. C'était mon expérience.